Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon avec un coffret Tortank VMAX. Donc c'était pas un achat qui était forcément prévu au départ, mais j'ai vu les promos, le contenu, et puis ça m'a plu, j'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter donc le Tortank et le Florizarre, que je verrai dans une autre vidéo, et je me suis dit que ça allait faire une petite vidéo tranquille d'ouverture. Donc bah on va l'ouvrir sans plus tarder. Donc je m'attends pas à un tirage de dingue, hein. Après Destinée Radieuse, tout ça, ça va être compliqué. Enfin, en même temps que Destinée Radieuse, parce que je vais encore en ouvrir sur la chaîne. Tac. Et donc ça, on va le mettre derrière. Hop. Et le contenu est plutôt, plutôt conséquent dans ce coffret. Hop, j'essaie de pas faire trop de bruit. On va sortir la promo. Hop. Normalement, il y a le code derrière que je vais garder. Hop. Et la petite promo qui est vraiment très belle. Hein. Bon, c'est un peu une forteresse ambulante, hein, du coup, Tortank, mais. Puis là, du coup, la carte est nickel. Maintenant, avec leur nouveau, leur nouvelle façon de ranger les cartes dans les coffrets, bah, elles sont plus abîmées et c'est super cool parce que, bah, au moins, on achète du neuf. Tac. Hop. Hop là, voilà. La petite carte, on va la laisser en bas parce qu'en haut, il va y avoir ma caméra. Donc ça, on le met là. Il y a la Jumbo qui est aussi texturée. Hein. Donc, sympa comme carte. Comme je dis, je collectionne pas forcément, mais bon, quand je les ai, je les garde. Des pochettes à l'effigie de Tortank. Et ça, ça fait plaisir. Pour une fois, on a des pochettes dans un coffret. C'était... Enfin, je m'en souviens pas, en tout cas, que ça soit déjà arrivé, à part dans les Elite Trainer Box, bien sûr. Mais... ou sinon, ça date d'il y a très très longtemps, si c'est déjà arrivé. Parce que je m'en souviens pas. Et ensuite, on a du coup 4 boosters. Donc, on a un Ultra Prisme, que je vais vous voir en premier. On va faire dans l'ordre du plus ancien jusqu'au plus récent. Ténèbres embrasées et 2 styles de combat. Donc, le plus intéressant pour moi, parce que les deux autres séries, je commence à les avoir quand même pas mal complétées. On va laisser ça. On va l'enlever. Tac. Et voilà. Et donc, bah, c'est parti pour l'ouverture. On sent plus tarder. Donc, le Ultra Prisme. Alors, j'avoue, je voulais regarder ce qu'il y avait dans les séries avant de commencer. Enfin, surtout pour Ultra Prisme, parce que ça fait un certain temps que j'en ai pas ouvert. Mais j'ai oublié de le faire. Donc, tant pis. On va voir. Donc, le code 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, Cosmog. Donc là, au moins, ce sera des cartes qu'on aura moins vues ou pas vues du tout. Neuneuf. Exelang. Ça fait plaisir. Mustéboué, qui est super beau. Ah, ça fait du bien de pouvoir se réarrêter sur des illustrations. Ensuite, on a Evoli, qui est super mignon aussi. Une énergie psy. Seriflore. Ok. Fossile inconnu. Dinoclier, qui est très bien dessiné. Derrière, on a la reverse avec Shaymin. Ok. Donc, c'est une rare reverse. Et derrière, on aura... Oh ! Oh ! Oh, c'est trop bien ! Oh, c'est trop bien ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, bon, bah, je suis content d'avoir acheté les coffrets. Oh, j'avais oublié qu'il y avait ça dedans. Oh, oh bah là, attendez, je vais protéger. Oh, oh mais j'avais oublié qu'il y avait ça dedans. Ah bah, ça je ne l'avais pas. Hein, voilà. J'ai dit que j'avais pas mal complété les séries, du coup ça m'intéressait moins. Et bah ça, je ne l'avais pas. Oh, punaise. Punaise. Puis on va mettre une pochette, pas Tortank, mais une pochette Evoli. Et bah voilà. Bah ça fait plaisir. Bah je suis très 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 content d'avoir acheté ces coffrets. Enfin ce coffret en tout cas. Mais waouh. Oh trop bien. Trop bien. Je la remontrerai à la fin. Bon bah est-ce qu'on a besoin de continuer? Je ne sais pas mais... Punaise. Ah je m'attendais pas à ça. Waouh. Puis c'est toujours dans les premiers boosters que j'ai le maximum de chance là. C'est...
Oh là là! Ah, je m'y attendais pas. Bon, bah celui-ci, vous l'aurez, hein, cadeau. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Waouh! Puis je m'étais pas spoilé tout ça. Enfin, en fait, je voyais que la dernière carte, genre, j'avais l'impression qu'elle avait été raccrochée par la machine. Mais en fait, non, c'était juste l'effet de la Full Art Gold, quoi. Waouh, c'est juste magnifique. Tauros, Topicker, j'arrive pas à m'en remettre. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de chance en fait. De la chance, oui, mais pas autant. Rongourmand, Escargot, Flotajou. J'espère que tout filme bien, parce que j'ai pas envie d'avoir loupé celui-là. Energio, Parasect, Smashing, Cap d'Endurance. Derrière, en reverse, on aura une commune avec Dynavolt. Ok. Et derrière. Ok. On aura. Oh, Papillon VMAX. Je ne l'avais pas non plus. C'est trop bien! Ce coffret est trop bien! Vraiment! Alors d'habitude, je m'exprime pas trop sur. Tu vois, je suis content, mais je montre pas trop. Mais là, je peux pas le cacher en fait. C'est juste trop bien! Papillusion VMAX. En plus, elle est. Enfin, Papillusion, c'est juste. Voilà quoi. Ah bah, celle-là, si je m'y attendais. Je me suis dit, je vais tourner une petite vidéo. J'ai acheté ça, tout ça. En rentrant du travail, je vais me faire plaisir. Ah bah oui, je me fais plaisir, oui. Ah, c'est trop trop bien. Celle-là, je la double pochetterai après. La gold, j'avais vraiment envie de la protéger parce que j'ai. Voilà. Mais. Bon. On va continuer, hein. J'ai pas du tout regardé si il y avait. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas lancé la caméra. Je sais pas du tout si les tirages des d'autres personnes ont été bons sur ces coffrets et tout ça, mais là. Après, je vais me mettre au sport, je vais plus avoir de cardio déjà. Alors, on aura. Ça, on va enlever. On aura Charbi, Eoko, Onyx, à très belle illustration, on retrouve un petit peu. Gripat, Shaglam, Energie O, tac. Scalfroid, Énergie point final, kit de camping, Lixi, et derrière. Non, on va peut-être pas abuser, hein. Langue, ça me va très bien. Dans un autre tirage, peut-être que ça ne m'aurait pas convenu, mais là, ça me va très très bien. Je ne m'en remets pas. Mais c'est pas grave, hein, on va passer au dernier booster, style de combat. De base, j'aurais préféré avoir quelque chose en style de combat, je dis pas. Le Tyranocif en full art, pardon, alternative, m'aurait bien plu. Mais est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Non, non, je crois pas. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah, c'est parti. Alors, on aura Tritox. En plus, je disais, oui, niveau tirage, ce sera pas comme Destiny Radieuse, tout ça. Faut que j'apprenne à me taire un peu. Charbi. Lixi qu'on vient d'avoir en reverse. Psytigris. Larvadar. Énergie métal. Scorvol. Jeanfleur et Jantarge. Un rapace d'épique, c'est la reverse, ouais. Avec une peu commune reverse, Fermite. Ok. Et derrière, on aura oh bah, une holographique. Voilà, c'est pas une simple rare, c'est une holographique que je n'avais pas. Et ben on finit bien encore. Et ben, on va même la protéger. Hop. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir un tirage aussi bon sur un coffret. Hors série 0.5 quoi, donc voix du maître, etc. quoi. Mais du coup, bah si je fais le récap, et bah il est ouf le récap. Du coup, on aurait une petite reverse, une petite holographique, je n'ai même plus les mots, c'est horrible. Donc une petite holographique avec Mystiris, donc qui est sympa. En plus, son pouvoir est plutôt pas mal. Une fois pendant le tour, vous pouvez déplacer un marqueur de dégâts de l'un de vos Pokémon à l'un de. Vers l'un des Pokémon de votre adversaire. Ça peut permettre de finir un Pokémon sur le banc, etc. C'est plutôt pas mal. Bon, faut le faire évoluer, mais voilà. Le Tortank VMAX que je mets ici, hein, pour. voilà quoi. Il peut pas aller plus loin dans le classement des bonnes cartes. Hein. Une très belle promo. Très très belle promo. Je suis très content de l'avoir. Et je suis très content de l'avoir ouvert pour avoir eu le Papillusion VMAX, qui est magnifique. Papillusion, j'adore ce Pokémon.
Et je crois que s'il passe par là, la Team Skyatros, le prof Shen, adore aussi ce Pokémon. Et enfin, on aura lui la meilleure carte possible, je crois, hein. Solgaleo GX en gold. Et waouh. Du coup, c'est une secrète, hein. C'est la 173 sur 156. Et je suis juste trop content de l'avoir eu. Vraiment, trop bien. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est trop bien. Je vais faire un petit zoom pour, voilà, pour mieux présenter. Et voilà, voilà le tirage qu'on aura eu. Je suis très 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 content. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis fait plaisir et bah, j'ai été récompensé. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!